Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous inonde. Nous voulons dire merci à Dieu qui nous donne de nous retrouver en cette soirée pour un temps de prière avant de dormir. Alléluia pour ceux qui sont dans la nuit et même ceux qui sont dans la journée, ça pourra vous aider avant de dormir. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à dire merci à Dieu? Dis-lui merci en cette soirée pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour la protection qu'il t'a accordée tout au long de cette journée, la protection qu'il a accordée à ta famille. Bien-aimé, lève ta voix et commence à le célébrer. Même si tu passes par quelle situation, dis-lui merci. Rappelle-toi toujours que beaucoup ont voulu voir cette heure, beaucoup ont voulu atteindre ce moment-ci, mais ils n'ont pas pu. Mais le Seigneur, dans sa grâce et sa miséricorde, continue à te donner le souffle de vie. Même si tu passes par des situations difficiles, c'est parce qu'il l'a davantage pour toi. Alors sans tarder, élève ta voix, élève tes deux mains depuis l'endroit où tu te trouves si c'est possible et célèbre son nom, célèbre sa grandeur, sa fidélité, dis-lui merci. Dis-lui merci pour le souffle de vie, dis-lui merci pour le pain quotidien, dis-lui merci pour ces instants pendant lesquels il nous rassemble, dis-lui merci pour ta famille, dis-lui merci, bien-aimé, dis-lui merci. Il y a quelque chose pour laquelle tu puisses dire merci à Dieu, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci pour tes deux mains, pour tes deux pieds, pour ton conjoint, pour tes enfants. Bien-aimé, dis-lui merci, célèbre-le, élève son nom. Dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous disons Amen. Amen, Amen, Amen. Donc, bien-aimé, nous allons prier ce soir. Avant de se coucher, nous vous prions de partager, 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 partager et bénissez des multitudes. Nous allons prier une prière spéciale pour découvrir les mystères et les secrets. Prière pour découvrir les mystères et les secrets. Il y a beaucoup qui se trouvent aujourd'hui comme à un carrefour. Ils ne savent pas quelle décision prendre. Ils ne savent pas quelle direction prendre. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Ils se demandent, mais Seigneur, ça sort d'où, ça sort d'où, ça sort d'où. Il faut apprendre à interroger Dieu. Alléluia. Tu vas prier ce soir pour découvrir les mystères et les secrets concernant ta vie. Concernant la vie peut-être de tes enfants. Concernant la situation de tes enfants. Concernant tel dossier, concernant telle affaire, concernant telle direction, quelle direction prendre. Amen, amen. Prière pour découvrir les mystères et les secrets. Amen, amen. Donc, ces prières te permettent d'avoir accès aux secrets, aux mystères qui vont provoquer ta délivrance, ta délivrance de toute forme de servitude. Amen, amen. Et ça va te donner la victoire sur le royaume des ténèbres et ses agents. Je t'invite à t'accrocher à Dieu. Je t'invite à avoir foi en Dieu. Je t'invite à ne pas te lasser. Je t'invite à ne pas te décourager, mais à savoir que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il répond. Il répond toujours. Et il va te révéler les grandes choses importantes au jour d'aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Avant de se lancer dans la prière et afin qu'on n'oublie pas, demain c'est le 7 octobre et un programme que Papa Zoa a lancé sur exposer et démanteler la sorcellerie dans nos vies et dans nos familles. Nous aurons ce programme demain en ligne à partir de 21h30 heure du Cameroun. Amen, amen. Partagez, bénissez des multitudes. Il disait que ce programme sera accompagné d'un temps de jeûne et de prière. Donc, dès demain, par la grâce de Dieu, pour tous ceux qui sont en forme, tu rentres dans un programme de jeûne et de prière de 6h à 18h et tu commences à crier à Dieu dans la journée. Quand tu vas prier, demande à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je te présente ma vie et ma famille, que la sorcellerie soit exposée, que la sorcellerie soit démantelée de ma vie et de ma famille. Alléluia. Donc nous aurons après ce soir un rendez-vous demain par la grâce de Dieu, samedi à 21h30 pour l'ouverture, le lancement de ce programme. Partagez, bénissez les multitudes. Priez pour que ce programme, les ondes, l'Internet, rien ne dérange. Nous serons bénis. Et je sais que le Seigneur va faire des choses merveilleuses encore. Alors, sans tarder, passons au temps de prière. Priez pour découvrir les mystères et les secrets. Lisons très rapidement dans Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2 au verset 22. Daniel chapitre 2, verset 22. Il est écrit, Daniel chapitre 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché.
Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Et dans Éphésiens 1 au verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que le Dieu qui révèle les choses cachées se révèle à toi, se révèle à moi, se révèle à nous au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu bien-aimé, qui connaît toutes choses, le Dieu de sagesse, te donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que tu es là? Alors dis encore merci au Saint-Esprit ce soir. Cher Saint-Esprit, je te dis merci. Merci d'être mon paraclétos. Merci d'être mon enseignant. Merci d'être ma force, mon consolateur. Merci d'être ma direction. Merci d'être dans ma vie et de me guider. Au nom puissant de Jésus-Christ, je crie à toi ce soir, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Puisse le sang de Jésus qui a coulé à la croix me laver, bien-aimé, nous sommes en train de prier, me purifier pendant cette saison de prière et pendant ma vie sur terre, afin que rien ne fasse obstacle à ma prière. Je plaide le sang de Jésus dans ma vie. Je plaide le sang de Jésus dans ma vie. Je plaide le sang de Jésus dans cette maison. Je plaide le sang de Jésus dans cette maison. Je plaide le sang de Jésus dans ma vie contre tout péché, contre toute accusation que le tribunal des ténèbres pourrait saisir au jour d'aujourd'hui afin de chercher à me condamner et de me bloquer. Je plaide le sang de Jésus. Seigneur, que ton sang me visite, que ton sang visite ma vie et ma maison dans le précieux nom de Jésus. Allez, prie avec moi. Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation et de sagesse dans ta connaissance. Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation et de sagesse dans ta connaissance. Allez, commence à prier. Oh Dieu, donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Donne à mon mari, donne à mes enfants, donne à ma femme, si c'est ton cas, l'esprit de révélation et de sagesse dans ta connaissance. Seigneur, j'ai besoin de toi. Donne-moi l'esprit de révélation. Donne-moi l'esprit de sagesse dans ta connaissance au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie. Seigneur, ôte la cataracte spirituelle de mes yeux. Seigneur, ôte la cataracte spirituelle de mes yeux. Ôte la cataracte spirituelle de mes yeux. Ôte la cataracte spirituelle des yeux de mon mari, de ma femme, de mes enfants. Saint-Esprit, ôte la cataracte spirituelle de mes yeux. Ôte la cataracte spirituelle de mes yeux. Est-ce que quelqu'un prie? Rébâti, cravaché, Seigneur, ôte la cataracte spirituelle de mes yeux. Ôte la cataracte spirituelle de mes yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur ôte la cataracte spirituelle de tes yeux. Que le Seigneur ôte la cataracte spirituelle de tes yeux. Que le Seigneur ôte le voile que l'ennemi a mis au devant de tes yeux. Que le Seigneur ôte au jour d'aujourd'hui les nuées sataniques qui t'empêchaient de voir clairement au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi pour tout faux motif. Pardonne-moi pour toute fausse pensée que j'ai conçue dans mon cœur depuis le jour où je suis né au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi pour tout faux motif. Pardonne-moi pour toute fausse pensée que j'ai conçue dans mon cœur depuis le jour où je suis né au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi tout mensonge que j'ai dit contre toute personne, contre tout système, contre toute organisation au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne-moi tout mensonge que j'ai dit contre toute personne, que j'ai dit contre tout système, que j'ai dit contre toute organisation, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je crie à toi ce soir. Délivre-moi de la servitude et du péché de la paresse spirituelle. Délivre-moi, Seigneur. Délivre mon mari. Délivre mes enfants de la servitude et du péché de la paresse spirituelle. Allez, commence à prier, mon frère, ma soeur. Seigneur,
Délivre-moi de la servitude et du péché de la paresse spirituelle. Oui, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te délivre de la servitude, que le Seigneur te délivre de la paresse spirituelle, qu'il te délivre de la servitude, qu'il te délivre de la paresse spirituelle, au nom puissant de Jésus. Que les chaînes, les liens qui t'empêchaient au jour d'aujourd'hui d'évoluer physiquement et spirituellement soient brisés au nom de Jésus. Soient brisés au nom de Jésus. Oui, continuons de prier. Seigneur, ouvre mon entendement spirituel. Il y a des gens aujourd'hui, ils n'entendent plus de Dieu. Soit l'ennemi a bouché leurs oreilles, soit les soucis de ce siècle ont bouché leurs oreilles, soit les problèmes ont bouché leurs oreilles. Ils n'entendent plus de Dieu, ils ne voient plus de Dieu. Ils voient tout dans le sens concret, ils entendent le concret. Ce soir, que le Seigneur ouvre ton entendement spirituel au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Seigneur, ouvre mon entendement spirituel. Seigneur, je crie à toi ce soir, ouvre mon entendement spirituel. Seigneur, je crie à toi ce soir, ouvre mon entendement spirituel. Ouvre mon entendement spirituel. Ouvre mon entendement spirituel. Ouvre l'entendement spirituel de mon mari. Ouvre l'entendement spirituel de ma femme si c'est ton cas. Ouvre l'entendement spirituel de mes enfants. Oh Dieu, je crie à toi ce soir, ouvre mon entendement spirituel. Ouvre mon entendement spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Continue de prier, Seigneur. Enseigne-moi les choses profonde et cachée. Seigneur, enseigne-moi les choses profondes et cachées. Seigneur, enseigne-moi les choses profondes et cachées. Enseigne-moi les choses profondes et cachées. Seigneur, enseigne-moi les choses profondes et cachées. J'ai besoin de toi. Enseigne-moi les choses profondes et cachées. Oh Dieu, enseigne à mon mari, enseigne à mes enfants les choses profondes et cachées. Seigneur, j'ai besoin de toi. Enseigne-moi les choses profondes et cachées. Enseigne-moi les choses profondes et cachées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, révèle-moi tout secret responsable des problèmes par lesquels je passe. Bien-aimé, prie. Seigneur, révèle-moi tout secret responsable des problèmes par lesquels je passe. Seigneur, révèle-moi tout secret que je dois connaître. Seigneur, concernant les problèmes par lesquels je passe, par lesquels mon mari passe, par lesquels mes enfants passent. Seigneur, révèle-moi tout secret responsable des problèmes par lesquels je passe. Seigneur, révèle-moi tout secret responsable de tout problème par lequel je passe. Seigneur, révèle-moi tout secret responsable de tout problème par lequel mon mari passe, par lequel ma femme passe, par lequel mes enfants passent. Prends le temps et prie, mon frère, ma soeur. Présente cette situation à Dieu et demande à Dieu de te révéler le secret. Demande à Dieu de te révéler le secret. Bien-aimé, quand tu as la bonne clé, tu ouvres la porte. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit. Il a dit dans sa parole qu'il vous révélera les choses cachées. Il vous révélera les choses cachées. Nous avons le Saint-Esprit. Nous ne devons plus tâtonner. Nous ne devons plus tâtonner. Nous ne devons plus aller à gauche, à droite comme ceux qui étaient comme des brebis perdues. Demande au Saint-Esprit cette nuit de te révéler au nom puissant de Jésus-Christ les secrets responsables de tout problème par lequel tu passes, de tout problème par lequel tes enfants passent, par lequel ton conjoint passe. Seigneur, révèle-moi tout secret responsable de tout problème par lequel je passe. Seigneur, montre-moi quoi faire. Montre-moi où aller. Montre-moi la direction. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Oui, mon frère, ma soeur, prie que la confusion te lâche, que l'erreur te quitte. Au nom puissant de Jésus, que la confusion te lâche, que l'erreur te quitte. Que les choses qui t'ont souvent révélé des choses et qui ne sont pas le Saint-Esprit, au nom de Jésus, que cette confusion s'arrête, que cette chose te lâche, que cette chose te lâche. La chose qui t'a souvent parlé, qui t'a souvent révélé des choses dans les rêves et qui n'est pas le Saint-Esprit, la chose qui t'a souvent apparu là et qui n'est pas le Saint-Esprit et qui te perd, qui te donne des faux messages, qui te conduit dans la divination et le mensonge, que le diable qui se déguise en ange de lumière dans ta vie, mon frère, ma soeur, pour te perdre, soit paralysé maintenant. Oui, Satan, par le nom de Jésus, je te reprime de cette maison, je te reprime de ce frère et de cette soeur, je te reprime de la vie du frère et soeur, au nom de Jésus, tu m'entends. Dans toute maison à l'écoute de ma voix, Satan, je te reprime au nom de Jésus, je te reprime au nom de Jésus. Rebakashakrakasha, toi qui t'es déguisé en ange de lumière pour confondre les frères et sœurs, toi la divination, toi le mensonge, toi l'erreur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te reprimons par le sang de Jésus. Allez, reprime la divination, chasse l'esprit de confusion, chasse l'esprit d'erreur, chasse l'esprit de mensonge, chasse
chasse ce diable qui se déguise en ange de lumière et qui vient te donner les faux messages. Rebakaché, crekeché, alors qu'il n'est pas l'esprit de Dieu. Reprime-le au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, prie. Rebakaché, crekeché. Ta destinée ne sera pas perdue. Pas des mauvais choix. Par la divination, par le mensonge du diable qui te conduit dans les faux choix, qui se révèle à toi comme étant l'esprit de Dieu. Ce soir, nous démantelons ce diable, nous démantelons ce réseau de magie et de confusion, nous démantelons ce réseau d'erreurs au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur ouvre ton entendement spirituel, que le Seigneur te révèle les choses cachées, que le Saint-Esprit se révèle à quelqu'un ce soir, au nom puissant de Jésus. 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 Amen. Dis avec moi, Seigneur, révèle-moi toutes choses planifiées contre moi dans les ténèbres. Seigneur, révèle-moi toutes choses planifiées contre moi dans les ténèbres. Allez, prie, prie, prie. Seigneur, révèle-moi toutes choses planifiées contre moi dans les ténèbres. Seigneur, c'est à toi que je crie. Révèle-moi toutes choses planifiées contre moi dans les ténèbres. Seigneur, révèle-moi toutes choses planifiées contre moi dans les ténèbres. Allez, prie, 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 prie. Seigneur, révèle-moi toutes choses planifiées contre moi dans les ténèbres. Révèle-moi toutes choses planifiées contre mon mari, contre ma femme, contre mes enfants dans les ténèbres, contre mes affaires. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi toutes choses planifiées contre ma maison dans les ténèbres. Oh Dieu, je crie à toi. Révèle-moi toutes choses planifiées contre mon ministère dans les ténèbres. Saint-Esprit, je crie à toi. Révèle-moi toutes choses planifiées contre moi dans les ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, continue de prier. Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit la sagesse divine pour gérer ta vie, pour gérer ta maison, pour gérer tes affaires. Bien-aimé, prie, prie, prie. Saint-Esprit, accorde-moi la sagesse divine pour gérer ma vie. Accorde-moi la sagesse divine pour gérer les relations, pour gérer mon mari, pour gérer mes enfants, pour gérer ma femme. Bien-aimé, prie, prie, prie. Demande la sagesse à Dieu pour gérer cette entreprise, pour gérer ce projet. Comme Salomon a demandé la sagesse à Dieu pour gérer le peuple que Dieu lui a donné. Cher Saint-Esprit, accorde-moi la sagesse pour gérer ma vie, pour gérer ma vie, pour gérer ma vie dans le nom de Jésus. Seigneur, que tout voile qui m'empêche d'avoir une bonne vision claire soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, que tout voile qui m'empêche d'avoir une vision claire soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, que tout voile qui m'empêche d'avoir une vision claire soit ôté au nom de Jésus. Seigneur, que tout voile qui m'empêche d'avoir une vision claire soit ôté au nom de Jésus. Allez, prie, prie, prie. Seigneur, tout voile qui m'empêche d'avoir une vision claire, qui empêche à mon mari, à mes enfants d'avoir une vision claire, que ce voile soit ôté, que ce voile soit ôté, qu'il soit ôté par le feu, qu'il soit ôté par le feu. Oui, ce soir, que les voiles sataniques sur les visages soient déchirés, soient déchirés, soient déchirés. Que les voiles qui t'empêchent d'avoir une vision claire soient ôtés, soient ôtés, soient ôtés, soient ôtés. Au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, prie et demande à Dieu. Au jour d'aujourd'hui, Seigneur, je veux connaître ta pensée au sujet de tel problème, au sujet de tel choix, au sujet de tel voyage, au sujet de tel dossier. Commence à prier. Seigneur, je voudrais connaître ta pensée au sujet de telle chose. Prie, 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 prie. Seigneur, je voudrais connaître ta pensée au sujet de tel dossier, au sujet de telle chose. Y a-t-il un dossier au jour d'aujourd'hui où tu demandes à Dieu la direction? Demande à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Père, au nom de Jésus, je veux connaître ta pensée au sujet de tel dossier. Je veux connaître ta pensée au sujet de tel dossier. Je veux connaître ta pensée au sujet du choix du conjoint, au sujet de si je dois voyager ou pas, si je dois rester à tel endroit ou pas. Seigneur, je veux connaître ta volonté. Je veux connaître ta volonté. Mentionne cette situation et demande à Dieu la volonté. Même le choix de la filière des enfants. Mon frère, ma soeur, prie, 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 prie. Continue de prier. Oh Dieu, que l'esprit de prophétie et de révélation descende sur mon être entier au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Oh Dieu, que l'esprit de prophétie et l'esprit de révélation descende sur mon être. Descende sur mon être. Que l'esprit de prophétie et l'esprit de révélation descende sur mon mari, sur mes enfants. Descende sur ma femme si c'est ton cas. Que l'esprit de prophétie et de révélation descende sur mon être. Mon frère, ma soeur, prie. Mon frère, ma soeur, prie. Que l'esprit de prophétie et de révélation descende sur mon être. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, révèle-moi les choses profondes et cachées au nom de Jésus.
Allez, prie. Saint-Esprit, révèle-moi les choses profondes et cachées au sujet de la situation par laquelle je passe. Tu prononces cette situation. Saint-Esprit, révèle-moi les choses profondes et cachées au sujet de ce célibat, au sujet de cet échec, au sujet de ce projet, au sujet de cette maladie. Saint-Esprit, révèle-moi les choses profondes et cachées au sujet de telle personne avec laquelle je marche, de telle personne avec laquelle mon mari marche ou mon enfant marche. Saint-Esprit, révèle-moi les choses profondes et cachées. Révèle-moi les choses profondes et cachées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, nous continuons de prier. Je lis tout démon qui pollue la vision spirituelle et les songes au nom de Jésus. Je dis tout démon qui pollue ma vision spirituelle et mes songes. Je te lis au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Je dis tout démon qui pollue ma vision spirituelle et mes songes. Je te lis. Je te lis. Je te lis. Au nom de Jésus, je dis tout démon qui pollue la vision spirituelle de mon mari, qui pollue la vision spirituelle de mes enfants. Je te lis et je te chasse au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, prie. Mon frère, ma soeur, prie. Tout démon qui pollue ma vision spirituelle, je te lis et je te chasse. Toi qui pollue mes songes, je te lis et je te chasse. Oui, mon frère, ma soeur, chasse-les. Tout démon qui pollue au nom de Jésus-Christ, tes visions et tes songes, que ce diable soit réprimé, qu'il soit réprimé, qu'il soit réprimé au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie pour toi ce soir que toute saleté qui bloque ton canal de communication avec Dieu soit lavée par le sang de Jésus. Toute saleté qui bloque ton canal de communication avec Dieu soit lavée par le sang de Jésus. Reçois par le nom de Jésus la puissance pour opérer avec les yeux spirituels de Dieu au nom de Jésus, sans te tromper. Que la gloire et la puissance du Dieu Tout-Puissant descendent grandement sur ta vie ce soir, au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que ton nom soit délivré, soit retiré au nom de Jésus du livre de ceux qui tâtonnent, du livre de ceux qui crébuchent, du livre de ceux qui échouent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Seigneur te nettoie, que le sang de Jésus te lave, afin qu'au jour d'aujourd'hui, tu sois un vase capable de connaître les choses cachées. Nous prions cette nuit pour les révélations divines, pour les visions, pour les songes, pour les informations spirituelles, que ces choses ne soient plus rares dans ta vie, ne soient plus rares dans ta maison, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, que la grâce de Dieu t'inonde. Nous couvrons ta maison dans le sang de Jésus. Nous couvrons ton sommeil dans le sang de Jésus. Nous couvrons tous ceux qui habitent les maisons qui nous écoutent en cette soirée dans le sang de Jésus. Même si tu es sur le chemin du retour pour ta maison, nous couvrons tout dans le sang de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit sur toi, que la révélation de Dieu soit sur toi. Dans le précieux nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous allons nous retrouver, bien-aimés, pour un temps de prière à 5 heures du matin. 5 heures du matin, heure du Cameroun. Parce que là, la pluie, il pleut abondamment. Au point où moi-même, je ne sais pas si vous m'entendez. Que la grâce de Dieu t'inonde. Avant de te coucher, bien-aimé, fais l'effort de causer encore avec Dieu et de continuer en prière. Tu parles en langue, parle en langue. Que le Seigneur te bénisse. Que ta nuit soit une nuit de révélation, des choses profondes au nom puissant de Jésus. Tu es béni. La grâce de Dieu t'inonde dans le nom de Jésus. Nous nous retrouvons tout à l'heure sur le WhatsApp, le Telegram Cité du Christ Rejeté et le WhatsApp CCR Online à 5 heures pour la prière. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom.